Et ben salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite présentation d'un déclencheur manuel de chez Siemens Cerberus. Donc ici on a la ligne d'indication. Donc là on a le trou pour la clé. Voilà. Donc avant que j'achète, je vais vous montrer l'intérieur. Donc attendez, je vais prendre mon tournevis pour regarder ça. Je sais plus où je l'ai mis. Ah si, le voilà. Voici le capot. Alors là, c'est la membrane en verre. Par contre, si on enlève la membrane en verre, là, il passe en alarme. Parce que vous avez le petit contact ici. Voilà. Alors, si j'appuie, ça se met en veille. Et si je lâche, ça se met en alarme. Donc, n'oubliez pas de mettre un DM en HSS sur la centrale. Donc maintenant je vais vous montrer les borniers. Alors voici les bornes de raccordement. Donc le fil rouge c'est positif et le noir c'est négatif. Et là le troisième là il sert à rien. Donc on voit qu'ici c'est marqué Siemens Cerberus Division. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la référence, c'est DM1101. Donc c'est un conventionnel. Si ça aurait été du adressable, ce serait un DM1131, mais le mien c'est un DM1101. Maintenant je vais remettre. Donc je vais mettre une membrane pour vous montrer le déclenchement et le réarmement de ce DM. Voilà. Donc pour déclencher l'alarme, je vais appuyer sur la membrane déformable. Vous allez entendre un petit claque. Donc là, vous n'avez sans doute pas bien entendu le cac. Donc pour un moment, on utilise la clé. On met dans le trou en forme de L. On enfonce bien. Là, et on retire la clé pour que la membrane revienne. Et on retire. Je refais le test. Détancher. Et armé. Par contre, pour la vitre,
Alors, si vous voulez faire un essai de DM sans casser la vitre, vous pouvez utiliser la clé de réarmement. Vous enfoncez. Voilà, là il y a une alarme comme test. Et pour le retirer, c'est comme avec l'armement défommable. On tire comme ça. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!